Y aura-t-il à manger pour tout le monde? S'inquiète Monsieur Offenbach. Ah, ne vous en faites pas, mon ami, nous avons pensé à tout, lui répond avec douceur Herminie. Maintenant, papa, ferme les yeux, lui demande Pépita. Monsieur Offenbach s'exécute. Pendant qu'il a les yeux clos, il en entend des bruits autour de lui. Ouh là 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 là, ça traîne, ça déplie, ça teinte, ça s'entrechoque, ça coupe, ça chuchote et surtout, ça s'amuse. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est long, s'impatiente-t-il. Ça y est, maintenant, nous sommes prêts. Allez, nous sommes prêts, tout est frais. Une table magnifique a été dressée devant lui. Herminie a sorti la vaisselle en porcelaine et les verres en cristal de bohème. Vous êtes merveilleuse, ma femme. Mais qu'y a-t-il au menu? Ah, vous allez le savoir immédiatement, car mieux qu'un carton imprimé, notre Brésilien va le chanter, lui répond le majordome. Et à 100 à l'heure, le Brésilien entame « Le menu à toute vitesse !» Oh, quel repas sans égal, quel hôte libéral d'un accueil amical, voilà l'idéal. Je préfère au plus beau bal, au plus doux madrigal, le plaisir cordial d'un pareil régal. Cette vaste terrine où trônait l'aubergine et ce piment moulu, ce lapin si doux d'une languille frétillante et le vin d'Alicante. Et ce plat de nougat tout à fort bonne mine, et plus on l'examine, enfin votre cuisine est de tout point livide. Oh, quel repas sans égal, quel hôte libéral d'un accueil amical, voilà l'idéal. Je préfère au plus beau bal, au plus doux madrigal, le plaisir cordial d'un pareil régal. Mais quand on quitte la table, est-il donc un plaisir plus grand que de converser un moment? Rien n'est plus agréable, et comme disait mon aïeul, cela s'applique à l'homme seul, car sachez que la parole est en somme un capital, nous distinguant de l'animal. Ceci n'a rien de frivole, et pour un esprit positif, mon calcul est démonstratif. Par effort de mémoire, par voix des perroquets, d'un air naïf, caquet, faut demander à voir, faut du gros des moutons, toujours du même ton. J'entends du même enfant, car tout qu'il n'est pas fort. Mais ces accidents-là, mais ces accidents-là, et sont dissimulés, comme à tout bien manger, l'homme seul sait manger. Ah, quel repas sans égal, quel hôte libéral d'un accueil amical, voilà l'idéal. Je préfère au plus beau. Bah, le plus doux madrigal, le plaisir cordial, le plaisir régal. Ah, quel repas sans égal, quel auto libéral, quel auto libéral. Fruit d'un moyen, un sentimental, vraiment un tel régal. Pour moi, n'a rien d'égal. Ce vin de Portugal, brillant dans le cristal, ce festin frugal où le règne animal se mêle au végétal d'un accueil amical. Vraiment, c'est l'idéal, c'est le pur idéal. Jacques, je te propose que nous jouions nos rôles jusqu'au bout. Aussi, Catherine et moi veillerons-nous au bon déroulement de cette soirée. Que le repas commence! Les plats défilent un à un, annoncés par le majordome qui fait entendre sa plus belle voix. Chacun des plats faisant référence à un air composé par M. Offenbach, les invités se mettent à chanter entre deux bouchées.